Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau programme de fidélité de PlayStation qui s'appelle PlayStation Star. Donc ce programme de fidélité va vous permettre de gagner des points de fidélité. Par exemple, quand vous allez acheter un jeu, vous allez gagner des points. Quand vous allez gagner un trophée, vous allez gagner des points. Quand vous allez jouer tous les mois sur certains jeux, vous allez gagner des points. Et avec ces points, vous allez pouvoir les échanger contre des cartes PSN, des jeux gratuits sélectionnés par PlayStation. Enfin, voilà, vous pourrez obtenir plusieurs cadeaux. Et il y a même un concours qui vous permet, enfin plusieurs concours qui vous permet de gagner des PlayStation 5 et d'autres cadeaux. Donc là, je vais vous présenter un peu le système. Donc là, je viens déjà de vous expliquer un peu à quoi ça consistait. C'est tout simplement une sorte de fidélité, une carte de fidélité. Vous allez marquer des points et avec ces points, vous allez pouvoir les échanger contre des récompenses. Alors le programme PlayStation Star n'est pas encore disponible, mais il sera disponible au cours de cette année, donc dans quelques mois, parce qu'on est déjà le mois de juillet, donc dans quelques mois, cette nouvelle fonctionnalité sera disponible. Alors ils nous disent qu'il faudra s'inscrire à PlayStation Star. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore s'inscrire parce que bah, les inscriptions ne sont pas encore autorisées, parce que le truc n'est pas encore disponible. Et on va pouvoir, les membres pourront alors échanger ces points, donc quand on aura des points, contre des fonds pour le porte-monnaie PSN et certains produits du PlayStation Store. Donc certains jeux seront gratuits. Alors les abonnés du PlayStation Plus inscrits à PlayStation Star remporteront automatiquement des points pour leurs achats sur le PlayStation Store. Alors je ne sais pas s'ils vont prendre en compte tous les achats qu'on a déjà faits, ce serait déjà bien, parce que comme ça on aura un putain de paquet de points directement dès le lancement, mais ce n'est pas sûr. Alors on aura d'autres récompenses aussi qu'on pourra débloquer, ce genre des objets appréciés par les fans de l'univers de PlayStation, comme des figurines, des personnages emblématiques de jeux ou d'autres formes de divertissement, mais également des périphériques célébrant l'histoire et innovant de Sony. Il y aura toujours un nouvel objet à collectionner, un objet ultra rare à convoiter ou quelque chose de surprenant à collectionner pour le plaisir. Donc il y aura d'autres récompenses, mais à mon avis ces récompenses-là ce seront pour les gens qui ont fait énormément de points, ce sera peut-être des concours par mois. Enfin, voilà, il y aura un système de classement je pense pour les meilleurs, ceux qui auront gagné le plus de points et qui pourront obtenir des récompenses diverses et rares, des objets super rares qui pourront même revendre s'ils veulent ou alors faire la collection pour le plaisir. Alors ils disent que on va pouvoir s'inscrire gratuitement au PlayStation Star. Donc voilà, ce sera gratuit pour tout le monde. Et une fois que vous serez inscrit, vous toucherez des récompenses en menant à bien toute une variété de campagnes et d'activités. Donc pour obtenir une récompense, par exemple, il y aura une campagne qui s'appellera Monthly Checking. Donc toutes les fois que vous allez vous connecter mensuellement à un jeu, donc vous allez jouer à n'importe quel jeu et mensuellement vous allez gagner des points. Donc il faudra au moins jouer à un jeu tous les mois pour gagner, compléter la campagne qui s'appelle le Monthly Check-in. Voilà, pour ceux qui se connectent tous les jours à leur console, ben, la connexion mensuelle, ça va être easy. Après, j'espère qu'ils vont faire une connexion journalière. Ce serait quand même pas mal qu'on gagne des points en fonction de nos jours de connecté. Un peu comme ils font avec Fortnite, ils donnent des V-Bucks tous les jours que vous connectez. Et ce qui serait bien, c'est qu'en par mois, tous les mois qu'on se connecte consécutivement, on soit dans un combo. Et tant qu'on ne lâche pas un mois, eh ben, le combo il augmente et on gagne de plus en plus de points. Donc ça, ce serait pas mal. Et dès que, ben, par exemple, si on casse le mois, si on ne se connecte pas pendant un mois, ben, on retombe au combo 1, donc x1, quoi. On gagne les points x1, puis x2, x3. Ce serait pas mal. Alors, vous aurez aussi la possibilité d'obtenir des points dans d'autres campagnes, genre remporter des tournois, gagner des trophées spécifiques, ou même être le premier joueur de votre fuseau horaire à obtenir le trophée platine pour un titre phare. Donc, le premier joueur qui obtiendra le trophée platine dans le fuseau horaire de France, par exemple, de Paris, de Belgique, de Bruxelles, etc. Je pense que c'est le même de toute façon. Dans ce fuseau horaire-là, le premier joueur à obtenir le trophée platine d'un jeu obtiendra énormément de points. Et moi, j'ai un pote, justement, c'est un chasseur de trophées. Il a déjà réussi à faire des platines, à être le premier joueur mondial à faire la platine
de plusieurs jeux. Donc franchement, ça va lui faire super plaisir. Et grosse dédicace à toi, frérot. Alors, ils disent qu'il y aura d'autres campagnes, comme des tournois, etc. Alors là, il vous redirige ici. De toute façon, hein, je vous partagerai le site officiel du blog qui vous explique tout si vous voulez plus d'informations. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je le mettrai en description, en commentaire épinglé, le lien. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et là, regardez, si vous cliquez ici sur Emparer votre trône, c'est une sorte de tournoi. Et il y a aussi Trade Code. Trade Code, enfin voilà. C'est des sortes de tournois. Bon, c'est difficile, c'est des tournois, hein, donc c'est des joueurs contre des joueurs. C'est pas la même situation que PlayStation Star. PlayStation Star, tout le monde va gagner ses points. Ce sera facile de collecter des points pour échanger contre des jeux ou des cartes PSN. Mais voilà, ça c'est un truc plus accessible à tout le monde. Et ici, il y a des tournois. Mais en réalisant les tournois, vous allez aussi gagner des points pour le PlayStation Star, donc des points de fidélité. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Donc vous pouvez même juste participer. Et en participant au tournoi, je pense que vous débloquerez quand même des points. Donc en fait, tout ça est lié. Et je trouve que c'est bien parce que comme ça vous donne envie de participer au tournoi que enfin PlayStation vous propose. Parce que ben, ouais, c'est vrai que même moi, j'étais même pas au courant qu'il y avait un tournoi. Enfin voilà. Là, ça va prendre une grosse ampleur, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, par exemple, il y avait un tournoi. Il y a un tournoi qui est disponible depuis le 28 octobre 2021. Donc ça fait presque un an. Il est toujours disponible apparemment. Et en fait, ce tournoi, ça consiste à jouer à des jeux. Donc déjà, il faut s'inscrire. Donc je pense que les inscriptions, elles se font ici. Enregistrez-vous avec votre idée de connexion PSN. Voilà, vous vous inscrivez à ce tournoi-là. Ensuite, vous allez jouer à n'importe quel jeu par le joueur et vous allez gagner 10 points. Ensuite, jouez à n'importe quel jeu au choix du joueur avec un autre joueur et là, vous gagnez 15 points. Donc, il faut que l'autre joueur soit aussi inscrit au tournoi pour que ça soit validé et là vous gagnez 15 points. Utilisez la fonction partager, donc partagez par exemple une image à votre ami sur PlayStation, ça vous rapportera 5 points. Vous pouvez faire ça en illimité, donc vous pouvez partager énormément d'images, de vidéos, etc. Obtenir un trophée de bronze, ça vous rapporte 5 points. Obtenir un trophée d'argent, ça vous rapporte 10 points. Obtenir un trophée d'or, ça vous rapporte 20 points. Et obtenir 5 trophées en une seule partie, ça vous rapporte 25 points. Donc voilà, c'est vraiment basé sur le gameplay. Donc vous vous inscrivez. Donc là, c'est peut-être un peu tard. Hein. Je pense que le tournoi est peut-être encore toujours disponible. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est peut-être un peu tard de commencer maintenant parce que bah, voilà, c'est les meilleurs joueurs. Et en fait, ces joueurs qui gagnent vont gagner des récompenses, genre une PlayStation 5 à gagner, des bagues, comme vous voyez là ici. Il y avait des bagues à gagner. Il y a un casque PlayStation, des cartes de rechargement de 100$, donc de 100€. Donc voilà. Alors, PlayStation entre. Je ne sais pas, hein, franchement. Ouais, je sais pas si c'est terminé. Peut-être c'est déjà terminé hein, le tournoi. Mais voilà, il y a des tournois comme ça qui sont organisés par PlayStation et que tout le monde peut participer. Et il y a pas mal de récompenses à obtenir. Donc maintenant, ce genre de tournoi sera carrément lié à PlayStation Star. Donc si vous participez à ce tournoi-là, bah, vous gagnerez des points de fidélité pour PlayStation Star. Alors il y a eu un autre tournoi qui a commencé le 15 février 2022. Donc c'était il y a pas longtemps, enfin, il y a quelques mois. Et en fait ici là, ils ont partagé sur une durée, je ne sais pas jusque quand. Hein, vous aurez jusqu'au 7 mars. Ouais, donc là c'est terminé. Hein, en fait, les deux trucs là sont terminés. Mais voilà, c'est des exemples de campagnes de points que vous allez pouvoir réaliser pour obtenir des points de fidélité PlayStation Star. Mais là, ils avaient organisé un concours où ils partageaient 14 codes dans le monde entier. Et si vous trouviez le code, un des codes, eh ben, ça vous permettait de participer. Donc vous deviez aller sur le site. Donc déjà, il faut s'inscrire à chaque fois. Hein, il faut s'inscrire. Ensuite, vous allez sur un site, vous entrez le code et ça vous donnait une chance de gagner une PlayStation 5. Et je pense qu'il n'y avait qu'une PlayStation 5 à gagner. Enfin, il y avait 14 PlayStation 5 à gagner, je crois. Ou une PlayStation 5, je sais pas trop. Voilà, l'article est là si vous voulez lire. Par exemple, ici, il disait astuce, surveillez les chaînes des créateurs qui diffusent des titres PlayStation cette semaine pour essayer de trouver un code. En fait, le code peut être très bien être dans une publicité, dans un tweet, dans un truc, un réseau social, caché dans un petit coin en haut à droite. Donc, c'est un code de 14 chiffres, je crois, enfin de plusieurs chiffres.
Enfin, je ne sais pas exactement, mais. Mais voilà, il y avait 14 codes et je pense qu'il y avait 14 plays à gagner, donc c'était plutôt pas mal. Après, bien sûr, le code, si quelqu'un le trouvait, bah, plusieurs personnes auraient pu le trouver. Donc, chaque personne, on va dire 100 personnes, auraient trouvé le code, il l'aurait rentré sur le site. Et bien, sur les 100 personnes, ce serait un tirage au sort aléatoire, donc ce serait un tirage au sort, quoi. Et il n'y aurait eu qu'un seul gagnant pour le code numéro 1, par exemple, qui gagnerait une PlayStation. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, j'étais pas au courant de tout ça. Donc je viens de m'en rendre compte maintenant parce qu'en fait j'ai fait un tour sur Twitter et j'ai vu que PlayStation a tweeté ce nouveau système de PlayStation Star et je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo parce que normalement ça va faire du bruit et on va entendre parler de plus en plus de ce nouveau programme et puis je suppose que ce sera directement installé sur le PlayStation Store donc quand vous allez acheter un jeu il sera marqué que ça vous donnera des points donc des récompenses, des points de fidélité. Et franchement, je trouve que ce programme est une très très bonne idée parce qu'en plus, sur Xbox, ça existe depuis quelques temps. Vous gagnez des points en réalisant des trophées et tout ça, et vous pouvez échanger vos points sur Xbox contre des jeux ou des cartes PSN, etc. Alors, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne chez Xbox parce que ben, moi, je suis sur PlayStation, mais voilà, il y a déjà un système de points de fidélité sur Xbox qui existe depuis au moins 2-3 ans et qui n'avait pas sur PlayStation. Donc franchement, je suis content que ce programme commence à voir le jour sur PlayStation. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao, peace. Yummy, bruh.